Les deux candidats de la Star Academy continuent à alimenter malgré eux les rumeurs de couple. Le 25 janvier 2024, Chantal Leitzou les a relancés en se confiant sur leur relation, dans Camille et Images, sur TF1. Les téléspectateurs de TF1 ne pourront bientôt plus spéculer sur une relation entre Elena et Pierre, puisque l'un d'eux sera éliminé à l'issue du prime du 27 janvier 2024. Depuis plusieurs semaines, les faits et gestes des candidats de la Star Academy 2023 sont scrutés à la loupe. Et le moindre regard ou le moindre câlin entraîne une vague de commentaires sur X, anciennement Twitter. Même Chantal Leitzou s'y est mise lors du tournage de Camille et Images, une émission qui a été diffusée le 25 janvier, sur la première chaîne. La semaine des élèves de la Star Academy a bien commencé. Julien, Pierre et Elena ont eu la belle surprise de voir Kev Adams et Chantal Leitzou débarquer au château de Damary-les-Lys. Les deux acteurs de Maison de Retraite 2 ont participé au cours de théâtre de Pierre de Brahe. L'occasion pour Kev Adams de confronter la jolie Belge de 21 ans sur son rapprochement avec Pierre. Et puis tu crois que j'ai pas vu ton petit jeu avec Pierre ? A notamment lancé l'humoriste de 32 ans. De quoi mettre les principaux intéressés mal à l'aise. Chantal Leitzou parle de la relation Pierre-Elena. Si elle est restée assez discrète sur le sujet lors de son passage au château, Chantal Leitzou s'est exprimée sur le sujet dans Camille et Images jeudi. Camille Combal a partagé des images de sa venue à Damary-les-Lys. Une fois le magnéto terminé, l'actrice de 75 ans a déclaré, « Ils ont un petit crush ces deux-là. » Sans surprise, Camille Combal a souhaité en savoir plus sur le sujet. Il lui a demandé s'il s'était passé des choses qui n'ont pas été diffusées. « Je ne peux pas en parler », a-t-elle répondu cash. Face à l'insistance des autres personnes sur le plateau, Chantal Leitzou a ajouté, « Si est-il vrai qu'ils sont ensemble, comme ça tu vois, elle se met à caresser la tête d'Adil Rami et son dos », note de la rédaction. Alors, couple ou pas couple? Telle est la question. Brigitte, la maman d'Elena, a en tout cas aussi un avis sur le sujet. Je ne sais rien, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ce que je peux dire, si est-il que pour voir ses enfants qui vivent isolés de tout, je comprends parfaitement qu'il y ait des rapprochements affectifs. Pierre et Elena si est-il les deux mêmes. Ils aiment les mêmes musiques, ont le même caractère, ils aiment chanter ensemble. Si est-il un accord artistique parfait, a-t-elle confié à RTL Info.